La parole est à Monsieur Dimier pour 4 minutes 47. Merci, Monsieur le Président. Sachant que la CPEG recueille des fonds qui sont le fruit du travail et non celui de la spéculation financière, la logique voudrait qu'elle ait un compte à la BNS exonéré d'intérêts négatifs. Ce serait d'autant plus logique que les actionnaires principaux de la BNS sont les cantons eux-mêmes. D'ailleurs, la Caisse de pension des fonctionnaires fédéraux, Publica, qui a été mentionnée tout à l'heure, dispose, elle, d'un compte auprès de la BNS. Toutefois, le vrai problème est ailleurs. C'est la dilution monétaire que pratiquent à grande échelle la BNS et les banques commerciales. Pour illustrer le propos, je prends l'exemple d'un vestiaire auquel on confie un manteau. Ici, le fruit du travail confié à la caisse de pension. En échange, le dépositaire reçoit un ticket. Le problème, c'est que le responsable des tickets, la BNS, crée 7 fois plus de tickets qu'elle n'en a eu depuis 2012. La première conséquence pour la CPEG, c'est l'effondrement des revenus du prêt de l'épargne, puisqu'elle se trouve en concurrence déloyale avec les créateurs de ces nouveaux billets, lesquels n'ont jamais produit ni le moindre travail, ni payé le moindre impôt. C'est du dumping à grande échelle. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de corrélation entre ce phénomène et le taux de couverture. C'est totalement faux. Comme l'a relevé le journal Le Temps le 19 septembre 2012, augmenter le taux technique de 0,5 point accroît automatiquement et mécaniquement le taux de couverture de 5 points puisque c'est une relation exponentielle. En d'autres termes, si l'économie était financée par l'épargne, ce qui fut le cas jusqu'à Bretton Woods, celle-ci serait correctement rétribuée et le problème qui nous occupe aujourd'hui n'existerait pas. Tout au contraire, la création sauvage de monnaie ex nihilo non seulement dilue l'épargne, mais détruit la capacité de rendement des fonds de pension. Pas seulement la CPEG, tous les fonds de pension. J'en reviens au droit de seigneuriage, abandonné par les cantons lors de la création de la BNS, à l'express condition de percevoir 2/3 des bénéfices nets. Ce principe est d'ailleurs gravé dans notre Constitution fédérale à l'article 99. Depuis 2012, en suivant la Constitution, les cantons auraient dû recevoir 400 milliards sur les 600 milliards créés par la BNS. Mais, par un subtil jeu de mots, la loi sur la Banque nationale actuelle prévoit de distribuer 2/3 du bénéfice d'exploitation et non pas du bénéfice net aux cantons. Ceci en violation grave de l'accord historique et le rapport de confiance né entre les cantons et la Confédération qui a permis à la BNS de voir le jour. Cessons de nous écharper sur le taux de couverture qui n'est rien d'autre qu'un chiffon rouge que l'on agite devant nos yeux pour distraire le vrai problème. Si nous voulons commencer à sortir de cet énorme problème, il appartient à notre Conseil d'État de s'opposer au rapport financier de la BNS ce vendredi 28 avril 2017 lors de son Assemblée générale. Ainsi, nous réglerons et à long terme la question du financement de la CPEG.